Salut tout le monde, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que je me suis dit super, il n'y a pas de tes voisins, filme calmement, il n'y a pas de bruit, vas-y vite. Je fonce vers mon appareil photo et qu'est-ce que je trouve? Carte mémoire protégée. Écriture de la carte protégée. Protégée par qui? Qu'est-ce qu'il a protégé? J'en ai aucune idée, je comprends rien. Du coup je ne peux pas filmer avec mon appareil photo. Je vais chercher une autre carte SD, elle marche pas non plus. Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est fait exprès ou... Pour une fois que je me suis dit, tiens, tranquille, vas-y, filme. T'as le temps. Il n'est pas hyper fatigué, mais non, tu peux pas. Bon, ça c'est un petit coup de gueule parce que vraiment j'avais envie de partager avec vous des choses et j'espère que je vais pouvoir le faire avec mon téléphone. Je suis en train de filmer. Je ne sais pas combien il y a de mémoire. Est-ce que ça va être suffisant? Et est-ce qu'encore une nouvelle fois, ma clé Leaf hybride, je ne vais pas me lâcher. On verra bien s'il va rester fidèle à lui-même ou bien à elle-même, ou bien elle va me laisser la chance de vous transmettre cette vidéo sur YouTube. À découvrir! Bon, les filles, comme vous avez déjà compris, et les garçons peut-être s'ils me regardent, j'ai un souci avec mes voisins. Et oui, le bruit, je n'en supporte plus. J'ai un tic, je les entends constamment, je ne les supporte plus du tout. C'est des nouveaux qui sont aménagés dans notre immeuble. Ils sont là depuis peut-être 1 ou 2 ans. Moi, je suis là depuis déjà 10-11 ans. Et j'en ai vraiment marre. J'en ai vraiment marre d'eux. Je n'arrête pas de leur dire qu'ils arrêtent de faire du bruit, que leur télé est tout le temps constamment allumée. Ah, je n'en peux plus. Donc, du coup, j'ai déménagé. J'ai remplacé en fait ma chambre avec mon salon. J'ai déplacé mon lit dans le salon. J'ai jeté mon canapé qui était dans le salon que je voulais mettre dans la chambre, mais il était tellement énorme qu'il passait même pas par la porte. Du coup je l'ai défoncé et je l'ai jeté toute seule par les escaliers, puisque comme d'habitude je n'ai trouvé aucune personne qui pourrait m'aider, comme par hasard. Voilà, donc je l'ai fait toute seule. Oui, je l'ai descendu des 2 étages et je me suis fait très très mal au dos, aux épaules. Donc après c'était tout de suite les séances chez kiné. Et honnêtement je suis tout le temps énervée à cause d'eux, j'en peux plus, donc je ne les supporte plus. Et je me suis dit, tant que je suis là, je ne sais pas si je vais déménager un jour, je ne sais pas si je me trouverai un logement aussi peu cher que j'ai maintenant. On dirait que c'est un logement en carton, on entend tout. Sauf que les voisins qui sont là depuis des années, ils savent, ils sont habitués, et je connais leurs habitudes et eux, ils connaissent les miennes. Et donc, on est plus ou moins compréhensibles les uns envers les autres. Et les nouveaux qui sont aménagés, ils n'en ont rien à cirer. Bon, ils essaient de faire des efforts après quand on a eu déjà des disputes, mais il fallait que ça se passe. Ça, j'aime pas. Franchement, j'aime pas quand on me cherche et j'aime pas aller chercher. Donc, voilà. Je dis stop aujourd'hui et je suis allée donc chez Leroy Merlin parce que je me suis renseignée par pas mal de choses donc sur YouTube sur isolement de bruit. Bon, il y a aussi isolement thermique, ce qui est bien dans ce que j'ai trouvé. Donc j'ai trouvé des dalles de liège que je voulais coller au mur, hein, comme ça, ça me protégera du bruit et ça me protégera également de froid. Ça tiendra au chaud mon appartement, ce qui n'est pas mal non plus, puisque ça m'empêchera d'allumer le chauffage qui est électrique, qui consomme beaucoup. Donc peut-être que je pourrais gagner là-dessus. Mais je ne sais pas comment je vais faire des travaux à nouveau toute seule, puisque j'ai encore une nouvelle fois personne à m'aider, puisse le faire. Mais bon, si j'étais riche, je serais déjà déménagée, ou bien j'aurais demandé quelqu'un qui puisse m'aider si je l'ai payé. Bon, là, j'ai personne à payer. Donc je vais voir comment je peux me débrouiller. Donc aujourd'hui, je suis allée... Je vais arrêter de me plaindre, hein. Je vais vous expliquer juste comment ça se passe. Je suis allée à Leroy Merlin, chez Leroy Merlin. J'ai trouvé beaucoup de choses et maintenant j'ai une grosse tête comme ça. Je ne sais même pas ce que je vais prendre parce que je suis un peu perturbée. Vous allez voir en image plusieurs matériaux que j'ai trouvé pour isoler justement mon appartement. Si vous connaissez un petit peu quelque chose là-dedans et si vous pouvez me donner des conseils, ça, je suis preneuse. Parce qu'honnêtement, j'ai demandé les conseils aux vendeurs. J'ai des conseils chez Leroy Merlin, des conseils chez Bricolex, j'ai regardé sur YouTube. Il y en a pas mal qui partent sur le liège. Sachant que c'est un matériau naturel, c'est un matériau qui est agréable au toucher déjà. À l'odeur, c'est pas synthétique, c'est naturel donc.
C'est assez facile à manier, ça protège bien et du chaud, du froid et du bruit. Mais c'est lourd. Moi, j'ai pensé que les dalles, elles étaient assez légères, mais quand je suis arrivée, j'ai vu que c'était lourd. Je parle des dalles parce que comme je vais l'appliquer toute seule, donc les dalles, c'est plus facile à poser qu'un rouleau. Parce que je suis seule à tenir le truc, donc plus simple de tenir quelque chose de 50 sur 50 qu'un rouleau entier qui va basculer à droite à gauche et que je vais pas pouvoir maîtriser en appliquant sur le mur. Donc voilà, je me suis arrêtée sur les dalles. Ensuite, j'avais trouvé d'autres matériaux, je sais plus comment ça s'appelait, c'est des planches de. On dirait que c'est comme du placo ou bien c'est léger comme du carton. C'est brillant, métallisé, enfin je ne me rappelle plus trop les noms, je vous mettrai vraiment les photos, vous allez les voir parce que j'ai pas envie d'avoir l'air vraiment débile devant l'écran. Je ne connais vraiment pas de quoi là, ce que je vais vous expliquer, j'ai pas envie d'avoir l'air idiote. Donc ce matériau-là, il m'a séduit par sa légèreté déjà, mais ce que je me dis, est-ce que si c'est aussi léger, est-ce que ça va vraiment protéger du bruit? Alors que c'est noté que ça va protéger du bruit, et non seulement du bruit, ça tient chaud quand il fait froid, et ça rafraîchit quand il fait chaud. Je ne sais pas si j'ai bien saisi le truc. Bon, en dehors de ça, il faut tout livrer, donc il faut acheter la colle aussi qui pèse, tout ça coûte. Les dalles, j'en ai compté, si je prends juste un mur qui me sépare de mes voisins, ça me coûterait autour de 200 euros, voire plus, 250 je crois, j'ai compté. Sachant que, oui, 250, sachant qu'une partie, donc 4 dalles, ça coûte 25 euros, il m'en faut 10, une dizaine, il m'a dit, enfin le vendeur. Donc ça fait 250 euros, plus la colle qui coûte 31 euros. Ça fait déjà 281, plus toutes les autres petites choses que j'ai achetées, je vais vous les montrer. Le truc dont je vous parle, c'était le métallique, là, le type papier. Il y avait un autre aussi qui est en mousse, recouvert par-dessus par un, on dirait, léger bout de papier, comme si c'était du papier peint un peu tissé. Ça, il m'a dit que ça protégeait bien des bruits, donc ça isolait bien des bruits, mais moi j'ai lu qu'il y a protection acoustique et isolation, enfin je sais plus si c'était bien comme je le dis, enfin il y a différence. Soit ça concentre tout le bruit dans la pièce, et ça sort pas en dehors de la pièce, d'après ce que j'ai compris, il fait ça. Soit ça isole vraiment du bruit extérieur, des voisins derrière mon mur. Donc là, je suis un peu perplexe sur ce matériau-là. Et puis en plus, je me dis quand je vais coller, je vais appliquer la colle sur cette mousse. Est-ce que ça va pas le ramollir? Est-ce que ça va pas justement accrocher par des petits bouts? Et si j'ai mal collé ou je sais pas, ça va pas être possible à manier. Et est-ce que au prochain locataire, ils vont pouvoir enlever ça? Enfin, ça, je sais pas, ça m'angoisse un petit peu. Ce qui me plaît, c'est sa légèreté. Ce qui me plaît pas, en revanche, c'est que je serais vraiment obligée de recouvrir la peinture ou par le papier peint, que je n'apprécie pas vraiment, mais d'ailleurs, peut-être ça sera plus simple, je ne sais pas. Le liège, je ne suis pas obligée de recouvrir par la peinture, je peux le laisser comme ça peut donner du charme, etc. Mais sachant que je garde souvent les chats, il faudrait peut-être le recouvrir quand même par la peinture pour qu'il l'abîme pas. Et ou alors, juste pour que ça soit pas tout jaune dans mon appartement, j'ai pas envie d'avoir un chalet. Voilà. Après, ça peut donner du charme, on ne sait pas. Et aussi, pourquoi il était aussi lourd, elle était aussi lourde cette liège, ce liège, cette liège, je ne sais pas. Tout simplement parce que ça compte, il y a une résine qui était dedans. Donc ça contient une couche de résine, tout simplement pour justement protéger du bruit, ce qui m'a expliqué le vendeur. Voilà, donc maintenant, si vous pouvez me conseiller qu'est-ce qui est mieux, le liège, le machin là avec la mousse qui se colle, qui a une couche de papier par-dessus, je vous mettrai un, deux, trois en image, ou alors le papier aluminium là qui brille, métallisé. Je ne sais pas. Ou alors, et je voudrais aussi donc coller sur le plafond parce que à haut je les entends aussi. Donc sur le mur, j'ai pensé peut-être coller le liège comme j'avais cette idée au départ, et sur le plafond peut-être coller soit le liège plus fin en rouleau.
je ne sais pas comment je vais faire, de toute manière je suis toute seule, soit coller la mousse au plafond ou bien le truc métallisé là. Voilà, je suis désolée pour mon vocabulaire bricolage, c'est pas le mien. Voilà, donc si vous pouvez me conseiller quelque chose, les grands connaisseurs ou les grandes connaisseuses, je suis preneuse de vos nouvelles, de vos idées, de vos conseils surtout. Voilà, et puis j'ai un petit souci, il y a un mur qui est un peu abîmé, donc il y a un peu d'humidité. On m'a dit que le liège justement ou l'autre matériau, ça isolerait également de l'humidité. Mais sachant, si on prend un bouchon en liège, quand on recouvre la bouteille de vin verte, eh ben, elle imprègne cette humidité et elle gonfle. Est-ce que ce ne sera pas le cas avec mon mur? Donc, je ne sais pas, à voir. Et puis, je vais vous montrer quelques de mes achats. Je ne sais pas, j'espère que je vais réussir parce que je tiens ma perche dans ma main. Et je vais essayer de vous montrer ce que j'ai. J'ai pris ça. C'est une spatule pour répartir la colle. Elle est pas droite. Je ne sais plus comment on appelle ça. Bon, elle n'est pas droite. Voilà. C'est exprès pour que la colle soit bien répartie. Pour qu'il y ait un peu d'air qui puisse après bien adhérer au mur. Je crois que c'est comme ça. Ça m'a coûté autour de 5 euros. Après, comme j'en ai un peu marre d'abîmer mes mains à chaque travaux, déjà j'ai fait les travaux il y a 2 ans ou 1 an, j'ai fait les travaux dans ma chambre et dans ma salle de bain et dans ma cuisine et que j'ai tout fait moi-même et j'ai tout. J'ai abîmé pas mal mes mains, j'ai pas envie de refaire la même erreur, donc je me suis acheté des gants comme ça pour tenir les outils, mais aussi bon, pour poncer par exemple. Je vais pas poncer les mains nues. Après, bon, les grands connaisseurs, les grands bricoleurs, ils vont peut-être se moquer de moi, c'est peut-être pas pour la même chose que j'ai pris, mais j'ai pris pour ça. Je sais qu'on peut tenir aussi, enfin, c'est surtout peut-être pour tenir les outils, mais ça m'aidera aussi dans le ponçage. Parce que j'en ai marre de gâcher mon joli manucure. Et pour le ponçage, justement, donc les gants, ils m'ont coûté 2,90, je crois. Et pour le ponçage, j'ai pris donc les planches à poncer. Tout simplement parce que j'avais des feux à poncer qui étaient, c'était pas du tout facile à manier. Maintenant, je me suis pris un truc comme ça que je puisse tenir comme une lime. Et puis, je vais poncer le mur avant d'appliquer la colle avec le matériau que je vais choisir, soit le liège, soit un autre. Je me suis également acheté ça. Comment ça s'appelle? Je vais vous dire. C'est des pavés en caoutchouc recyclé, donc anti-choc. Ça amortit justement le bruit, donc vous entendez moins. Et comme mon ordinateur, il est vieillot, donc il fait du bruit. Et il est posé sur un classeur, et j'en ai un peu marre de l'abîmer. C'est mon album, c'est pas un classeur, c'est mon album avec des cartes postales que je collectionne. Bah, je vais le retirer et je vais poser mon ordinateur sur ces dalles-là. Comme ça, sur ces petits pavés, ça va justement me protéger. Les voisins de dessous, ils vont pas entendre trop le bruit de mon ordi. Et puis, j'ai fait une. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté ça. Je sais pas si vous voyez. C'est des bonbons. Un crocodile. Ça. Bah, des trucs comme ça. Comme les enfants. Il ne faut pas qu'on vende ça chez Leroy Merlin. Hein. C'est pas bon. Voilà, bon, plein de petites choses comme ça. J'ai pas pu résister à la fin, à l'addition. 6,20 €. Pardon? 6,20 €? Ok. Excusez-moi, j'ai pas vu combien ça coûtait les 100 grammes. 2,70 €. Merci, madame. Je prends quand même. bon, voilà. Donc, au moins, je suis allée. J'avais une grosse journée aujourd'hui. Au moins, j'ai fait tout le nécessaire. Je suis allée voir mon médecin parce que j'ai eu un accident de travail. Je suis tombée sur l'escalator. J'ai 2 gros hématomes sur mes tibias. Oh, ça fait mal. Je suis allée au cours d'anglais. Après, je suis allée chez Mathie déposer ma bague. Que j'adore, ma bague l'infini qui a perdu une petite pierre zirconia.
Après, je suis, enfin, j'ai regardé un petit peu les bijoux pour le baptême de mon petit-neveu, mais j'ai rien trouvé d'intéressant. Et puis, il faut que je parle avec ma soeur avant de lui acheter quoi que ce soit. Et puis, je suis allée où après? Ah, ben voilà, après, je suis allée chez Leroy Merlin. J'ai trouvé ces bêtises des bonbons. Et justement, voilà, j'ai fait le tour des rayons. Moi, j'ai vu des produits, j'ai vu comment traiter l'humidité, qu'il y a pas mal de produits déjà. De traitement, ensuite la peinture anti-humidité. Enfin, maintenant, les filles et les garçons, le rayon bricolage, et ben c'est mon rayon. Maintenant, quand je vois des tournevis, j'en raffole. Je me dis, waouh, c'est super, hein? Comme du vernis. Donc, je vais devenir dingue si je vais continuer dans cette lignée. J'ai vu aussi, je vais peut-être vous mettre aussi en photo, des dalles de parc. C'est pas le parquet. Je sais plus comment ça s'appelle aussi. Je crois qu'il y a un nom dessus sur mes photos et vous le verrez. C'est des choses qui ressemblent un peu entre le parquet et entre le carrelage. C'est assez rigide. C'est assez lisse. C'est beau. On dirait un peu. C'est un peu le style usine. C'est un peu gratté. C'est un peu métallisé et rouillé, on dirait. C'est très très beau. J'adorerais. J'aurais voulu poser ça sur. Mon sol, ça serait vraiment très très beau. Mais bon, je vais pas trop avoir d'ambition. Je vais déjà essayer de poser ce que j'ai prévu sur mon mur. Donc, pour m'isoler de mes voisins, justement, je voulais poser le liège ou un autre matériau isolant sur le mur. Et ensuite, je voulais m'acheter une grosse armoire ou un placard, enfin, ou une bibliothèque. Mais peut-être ça sera plutôt une armoire. Comme ça, je pourrais y mettre encore mes affaires qui manque de place parfois, je pourrais y mettre aussi même mon maquillage qu'à faire, ou bien je m'achèterais une coiffeuse après. Je me suis dit, j'ai décidé d'aménager mon appartement parce qu'à chaque fois je me dis, je vais déménager. Maintenant j'arrête de penser comme ça, j'habite ici, c'est ma vie, j'y vis, donc il faut que je vis pleinement. J'en ai marre de penser au futur, je vis maintenant, je vais vivre à mon présent. Parce qu'à chaque fois, on se fait des idées, on va dans le présent, dans le futur, on se dit ça sera comme ça et comme ça. À chaque fois, quand ça ne va pas comme vous le voulez, et ben vous êtes très déçus. Et ben maintenant, j'ai décidé de ne plus être déçu de la vie. J'ai décidé d'en profiter. Je me suis dit, ok, ça coûte de l'argent. Ben, l'argent, c'est pour le dépenser. Bon, on n'en a pas toujours. Je n'en ai pas non plus des tonnes d'argent à mis de côté pour pouvoir le dépenser. Mais je me suis dit, le calme, le silence, ça coûte de l'argent. Donc je vais tout faire pour que je sois le plus calme et le plus heureuse dans mon habitat. J'ai envie d'avoir un logement calme parce que je passe pas mal de temps à la maison, parce que je fais les vidéos et parce que j'ai pas du tout envie que vous entendiez tout le bruit extérieur, tout le bruit de voisinage. Déjà rien que les bus, on entend comment ça passe. J'ai pas envie d'aggraver encore plus la sonorité de mes vidéos. J'ai envie qu'elles soient faites de mieux en mieux et pas de moins en moins bien. Donc voilà, je pense à ma tranquillité, je pense à la vôtre. J'ai envie que vous surveilliez et vous regardez les belles vidéos avec une belle sonorité. Je m'achèterai dans le futur aussi un micro. Bon, pas tout en même temps, on va faire doucement. Déjà, je vais isoler mon logement. Et puis, j'espère pouvoir vous montrer un petit peu comment ça se passe. Vous allez voir une petite vidéo d'ailleurs quand j'étais dans le magasin. J'ai essayé de filmer un peu indiscrètement parce que bon, c'est pas évident non plus. Et voilà, vous allez voir un petit peu ma journée d'aujourd'hui, du samedi. Je ne sais pas si la vidéo sortira aujourd'hui même ou bien demain, dimanche, mais ça revient même, c'est le week-end. Donc vous verrez la vidéo du week-end. Et maintenant, je vais sortir les vidéos tant quand j'ai envie. J'ai pas les heures, les jours spécifiques. Bon, les heures, c'est en général le matin quand je les sors. Sinon, il n'y a pas de jour spécifique. Vous regarderez quand vous le souhaiterez. Et moi, je les sortirai selon mon envie, selon l'humeur. Et je préfère les sortir en bonne humeur. Bon, aujourd'hui, j'ai fait un petit coup de gueule. J'espère que vous ne m'en voudrez pas pour ça. Mais malgré le coup de gueule, je suis quand même en bonne humeur. Je suis un peu, certes, fatiguée. J'ai un cerveau qui explose parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'infos. Mais néanmoins, je souhaitais de vous partager avec vous cette journée qui était très très remplie pour moi aujourd'hui. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vous retrouver de plus en plus nombreux sur ma chaîne.
Si vous n'êtes pas encore abonné, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en haut, abonnez-vous et vous êtes toutes et tous les bienvenus. Je vous embrasse et je vous remercie beaucoup d'être avec moi et pour votre temps que vous m'accordez. Ciao!